Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais attendre pour arriver à la maison pour faire cette vidéo, mais je suis obligé de vous la faire. Cette urgence que je suis en train de vous dire là, c'est vraiment urgent. Micromania, j'ai vu une annonce sur Gameblog qui disait que maintenant Micromania demande aux gens de payer eux-mêmes leurs frais de livraison. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit: Jaurès, j'ai précommandé ma console, mais Micromania prend en charge les frais de livraison. J'ai senti ça bizarre, tu vois. J'ai trouvé ça bizarre. Vu que je connaissais rien, je n'ai rien dit. C'est ça qui me rappelle que rien n'est gratuit dans ce monde, les amis. Rien n'est gratuit dans ce monde. Même avoir une copine, c'est pas gratuit. Même avoir une copine, c'est pas gratuit, tu vois. Tout est payant. Il me paye pas. Tout est payant. Non, c'est blague à part, tu vois. Encore une fois, j'ai pas envie que les femmes en commentaire me chargent. C'est de l'humour noir, tu vois. Ouais. C'est de l'humour noir. C'est de l'humour de Jaurès Gamer. Mais pour vous dire que rien n'est gratuit. Donc, il faut savoir que il y a un abonné qui m'a envoyé un screenshot de Micromania qui envoie des mails. Donc, regardez bien vos mails, les amis. Regardez bien vos mails. Micromania envoie des mails en disant que c'est urgent d'aller payer d'aller prépayer votre frais de livraison, sinon vous n'aurez plus la PlayStation 5, tu vois. Sinon vous n'aurez plus la PlayStation 5. Donc vous avez plutôt intérêt à y aller aujourd'hui. Apparemment Micromania a même dit que ils vont fermer leur boîte, leur magasin. Donc les gens qui pensent aller chercher la PlayStation 5 Day One, je pense que c'est mort. Donc obligatoirement aujourd'hui apparemment qu'il faut y aller prépayer les frais de livraison, sinon Micromania ne vous livre pas. Micromania ne vous livre pas. Moi je trouve ça scandaleux d'en arriver là à quelques jours du confinement et même moi j'ai pas la PlayStation 5. Heureusement que je suis entre guillemets influenceur, tu vois. Je suis là pour dire aux jeunes, voilà, allez-y, sinon vous n'aurez pas votre PlayStation 5. Pour les gens qui attendent le jour J chez eux en espérant que Micromania va leur livrer la console, c'est pas vrai, hein. Donc allez-y les amis, c'est vrai que ça fait toujours cher. Voilà, apparemment c'est 15€ les frais de livraison, tu vois. À la fin, la moralité de l'histoire, c'est qu'on va se faire ruiner les amis à cause de cette PS5. On va se faire ruiner à cause de cette Play 5, les amis. Préparez-vous. Les jeux vont coûter cher. La Play 5 elle-même coûte cher. On doit repayer les frais de livraison. C'est même pas pris en charge par Micromania. Donc, c'est scandaleux. J'ai vu des gens sur Gameblog en commentaire qu'ils étaient en train de rager. Ils ont dit que voilà, c'est la dernière année de Micromania. Après, je pense qu'ils vont fermer. Peut-être que ce n'est pas de leur faute. Mais la façon qu'ils communiquent aux joueurs, je trouve ça grave. Et pour les gens qui ont précommandé, moi je vous dis, appelez, allez-y maintenant. Moi derrière, ça me donne espoir parce qu'il y a tellement un manque de communication autour de tout ça qu'il y en a beaucoup qui vont attendre la Play 5 à l'ouverture, qui ne l'auront pas. Alors que donc forcément, si vous n'avez pas votre Play 5 Day One, ça veut dire que cette console sera remise en vente. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas précommandé, qui peuvent aller au magasin, par coup de chance, ils vont avoir la PlayStation 5 à l'ouverture. C'est pour ça que je me dis, c'est une aubaine pour moi, tu vois. C'est une aubaine pour les gens, pour ce truc-là. C'est une aubaine pour moi du principe qu'il y a un manque de communication autour de la Play 5 que je me dis, je pense que c'est aussi pareil pour la Xbox, les amis, hein. Ça concerne aussi la Xbox. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup de la Xbox, mais ça concerne aussi la Xbox. Donc pour moi, je me suis dit, c'est un repas gratuit, tu vois. C'est un repas gratuit qui s'offre à moi. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui va s'offrir là, Jaurès. Day One, va à Auchan. Tu vas voir, il y en a beaucoup qui vont attendre leur console Day One. Alors qu'il faut savoir que ça dépend. Après, je parle de Micromania. Après, je ne sais pas Auchan comment ça se passe. Mais je sais qu'à Micromania, si vous ne prépayez pas les frais de livraison, votre console, vous ne l'aurez pas. Et en plus de ça, on sera en confinement. Et ça veut dire que derrière, votre console est remise en vente. Donc, ça veut dire que le mec, il va aller à l'ouverture.
il peut avoir la Play 5, tu vois. Il peut l'avoir, il peut l'avoir, il peut l'avoir. C'est là que là, moi, je vais jouer ma carte, tu vois. J'ai rêvé d'avoir la Play 5, les amis. C'est une aubaine. Mais tu vois, je suis pas... J'aurais pu garder cette information-là pour moi, pour ne pas divulguer l'information. Mais voilà, moi, je trouve ça scandaleux de ne pas dire ça aux joueurs. Parce que tout le monde, maintenant, ils se sont dit, bon, j'ai payé ma console, j'attends Day One. Non. Il faut aller sur place pour payer les frais de livraison. Donc, voilà, les amis, c'est une vidéo, un petit coup de gueule. Mais je vous mets en garde pour les gens qui ont précommandé la PlayStation 5. Et n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. 2000 abonnés, les amis. 2000 abonnés. Un gros live ce soir, les amis. Un très, très gros live. Ça va être du lourd ce soir. Ça va être du lourd. On va s'éclater. Et vous allez voir, on va passer une soirée de dingue. Fan de jeux vidéo, évidemment, aussi de la réalité virtuelle. Salut, les amis. Portez-vous bien. Soyez prudents. Et ciao, ciao.